Les salariés matinaux quittent l'usine au changement de poste ce midi. Un balai de voitures continue. Devant nos questions, rares sont les personnes à bien vouloir nous donner leurs sentiments sur l'annonce par le gouvernement de 21 commandes de TGV. Une ambiance plutôt morose. En fait, les salariés craignent une décision uniquement politique. On est sûr de rien, de toute façon, pour l'instant. Alors, faut pas que ça soit simplement des annonces électorales. Vous avez peur que ce soit plus une politique, une vision à long terme d'Alstom? Voilà, oui. On ne sait pas. On verra dans les semaines à venir. Les années à venir, ou les mois. Le site du Creusot fabrique les bogies des TGV, et ces pièces sur lesquelles les essieux sont fixés. Il sera donc nécessairement impacté par la hausse du carnet de commandes, mais les syndicats se demandent dans quelle proportion. Ils préfèrent rester prudents. Les effets d'annonce sont... Oui, on est méfiant, la CGT, on pense que ça va se faire, mais on sera très très vigilant sur comment ça va se faire, où ça va se faire, et dans quelles conditions pour les salariés. Il faut savoir qu'il y a 18 mois, on avait eu des annonces aussi faites par M. Montebourg, par certains ministres et tout, et on a eu des retournements de situation. On espère qu'aujourd'hui, qu'il n'y en aura pas et que le travail se fera sur le sol français. La direction n'a pas souhaité communiquer. Elle attend, elle aussi, les commandes sur papier pour pouvoir évaluer les répercussions réelles sur le site.